Pendant cette pandémie, les personnes de plus de 70 ans sont jugées extrêmement vulnérables. Ce ne sont pas les seuls et beaucoup de familles pleurent actuellement de jeunes enfants, des proches de tous les âges avec et sans pathologie. C'est pour cela que la meilleure des solutions actuellement est de rester chez soi. Mais pour beaucoup, ce confinement est stressant et s'avère difficile. Des psychologues indiquent que cette quarantaine pourrait avoir des effets sur nous tous, tant physiquement que mentalement. Beaucoup se retrouvent coupés de leurs proches et c'est notamment le cas des personnes âgées et maisons de retraite. Un homme est confiné et sa fête d'anniversaire pour ses 101 ans. Il devait avoir lieu le 31 mars dernier, a donc été annulé. Owen, qui est un homme heureux et social, a un excellent réseau social et avait hâte de rencontrer tous ses amis, sa famille et ses proches pour célébrer son anniversaire avec une grande fête. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Et comme il est en quarantaine, Owen doit fêter seul son anniversaire. Il a été pris en photo avec un panneau indiquant que tout le monde pouvait l'aider. Il souhaitait recevoir 101 000 j'aime et commentaires sur les réseaux sociaux. Mohamed Safa a partagé sa photo et ne voulait pas qu'Owen se sente seul le jour de son anniversaire, même s'il était physiquement contraint de se protéger de tout le monde. C'est pourquoi, juste avant l'anniversaire d'Owen, il a décidé de publier une photo de lui tenant cette pancarte demandant aux gens de lui donner 101 000 commentaires. Espérant qu'Owen se sente moins seul grâce à ça. Une grande pensée à toutes celles et ceux qui sont actuellement en maison de retraite et à tous leurs proches.